s'opposer aux autorités les plus grandes dans l'Église, être suspendu à Divinis pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là, sinon pour des raisons excessivement graves? Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années, et voici que tout à coup, je suis suspendu à Divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je? Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense à Divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe, comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie, on m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église.